Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes premières vidéos sur Minecraft pour la série Diablo X9 is playing. Oh, il y a un petit zombie là en bas qui a pas l'air très content. Bref, je barbote tranquillement dans ma petite piscine pour vous annoncer le début de notre aventure sur une des premières maps aventure. Une map aventure qui m'a été conseillée par l'un de vous. Il s'agit de The Tourist. C'est une map réalisée par un Français qui s'appelle Stratocrafter. Et je vous préviens tout de suite, je n'ai absolument jamais fait ça de ma vie. Alors attention, accrochez-vous bien, les puristes de Minecraft, vous allez vous arracher les cheveux, mais en même temps, ça va bien vous faire rire, je l'imagine. On se retrouve tout de suite pour le début de cette map aventure. Pack de texture changé, je suis prêt pour ma première map aventure, les amis. Régler la difficulté du jeu en mode peaceful. Je l'avais déjà fait, parfait. Pff, je me suis encore endormi dans le bus. Le groupe a dû partir en visite touristique et ils m'ont laissé seul ici. Ces vacances à Paris commencent mal. Alors oui, ça se passe dans Paris, à Montmartre. Et c'est une map aventure internationale, c'est-à-dire que des gens du monde entier l'essayent, y jouent. Et je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec le film, non je pense pas. Le film The Tourist, vous savez, qui était sorti l'année passée, je crois, avec... Avec Johnny Depp et Angelina Jolie, là, qui se passait à Paris. Alors, il n'y a rien là-dedans. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Ah, attendez, je vais peut-être mettre l'interface, voilà. Bon. Pas l'air de servir à grand-chose, tout ça. On va pouvoir y aller. Waouh, il neige sévère à Paris, là, d'un coup. Alors, je vais bien réussir à les rejoindre. Oh, le bus de ouf. Alors, exit, sortie. Alors j'imagine que je devais aller par là-bas, on va juste vérifier si par hasard ces portes ne sont pas... Non, évidemment. Ok, et eh bien effectivement la sortie a l'air d'être par là-bas. Je vais baisser un peu le son de la musique par contre. Qui est... toujours bien énervante. Là. C'est vraiment étrange. Parking libre. Personne. Ils sont partis sans lui, quoi. Cette vapeur qui sort du sol. Où ça? Ah, je sais pas. Arrêt. On voit que dalle avec cette neige. Et puis ce silence. Oh, waouh! Oula. D'accord. On dirait que la ville a été désertée. La fin est proche. Repentez-vous. Ça fait un peu flipper ces pancartes sur les murs. Vous savez quoi? Pour se mettre dans l'ambiance, on va arrêter la musique. Hein, voilà. Priez pour votre salut. Et cet orage. Oh le feu. Oh le feu quoi. Dieu nous a... abandonne. Alors il pleut, il neige. Il faut se décider les mecs. Alors là il pleut. Et là il neige. Oh non, je suis plutôt d'humeur pluvieuse aujourd'hui. Oh, un peu de neige. Oh, bon, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Alors ça, pour clocher, effectivement, laissez-moi juste régler quelque chose. Voilà, excusez-moi. Toujours des feux. Ah, voilà un bus. Si Dieu décide... Quoi? Si Dieu a décidé de faire le ménage... Je pense qu'il a oublié quelqu'un. Arrêt, place des grands hommes. Il fallait que ça tombe sur moi. Je vais aller vérifier dans le bus, là. Bon, évidemment, je pense pas que je peux rentrer dedans. Ah! Ah non. Peut-être de ce côté-là. Non. D'accord. Alors oui, c'est la première fois que je fais une map aventure, je sais qu'il y a quelques objectifs à remplir, évidemment. Pile pendant mes vacances, en plus. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Finalement, toutes ces rumeurs d'apocalypse... Cela n'était peut-être qu'un délire... Cela n'était peut-être pas qu'un délire de fanatique. J'aurais dû prendre une keyway.
On dirait bien l'église du Sacré-Cœur là-bas. En plus, je commence à avoir faim. Espérons qu'il reste quelque chose à manger. Ah. Rue Lamarque, sauver une épicerie, pardon. Ah. Ça, c'est bien. La fin du monde. Non, l'épicerie. Aux délices de Montmartre. Alors, on ferme la porte, on est poli. La maison ne fait pas de crédit, surtout juste avant la fin du monde. Oh là là, bon, bah les mecs, ils sont cash au moins. Alors, servez-vous. Ah, cool ça. Eh ben, allons-y. Comment est-ce que je fais pour savoir quand j'ai besoin de bouffe? Attendez, je vais bouffer un truc pour voir. Je peux rien manger. Keyway. Ah. Bien, un coffre. Ça, c'est cool. Et là-dedans, une carte. Cool, ça, parfait. Par contre, je peux rien manger. Oh merde, non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Comment ça se fait que je peux rien manger? Regardez, par exemple, côtelette de porc, c'est un peu tout le temps en général. Est-ce que c'est juste parce que j'ai pas faim en fait? Le pack de texture me fait défaut en fait, je sais pas vraiment ce que ça représente. Bon, eh bien, écoutez, on va la laisser là et on verra bien. La carte. Oh waouh! Le Parisien, Apocalypse Now, les autorités religieuses sont formelles, la fin du monde est pour ce soir à 19h45. Ça va, au moins c'est précis, hein. Les mecs, bon les gars, fin du monde ce soir, 19h45, 00. On fera comme le Nouvel An avec Arthur sur TF1. Ils vont faire une émission et tout. Alors j'ai tendance à toujours vouloir un peu trop m'éloigner, hein, je crois que vous l'aurez remarqué. Alors... C'est plus la peine d'essayer de retrouver les autres maintenant. Si je veux éclaircir cette situation, je pense qu'une église est le meilleur endroit. Alors juste aller checker l'entrée là quand même. Voyons voir ça. Ah, bah c'est de l'eau tout simplement. Et là-bas, il n'y a rien du tout. On va suivre les panneaux, hein, de toute façon. Je crois que c'est un peu ce qu'ils préconisent de faire en général. Pour trouver des infos. Surtout ce qui concerne l'apocalypse, pardon. Pff, ces escaliers. Waouh. Alors l'église est vraiment bien réalisée, en tout cas. Moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ces gens. The Tourist, une map aventure par Strato Crafter. Oh yeah. Testée par Géliel. Et exploré par Diablo X9. Rue Cardinal, entrée principale. Et il pleut. Bon. Les barrières sont là pour votre sécurité. N'essayez pas de les franchir, vous pourriez vous blesser. Oula. Avis touriste, veuillez respecter les lieux et ne casser aucun bloc. Il y a 20 km de redstone un peu partout. Vous risqueriez de bloquer les mécanismes. Si vous suivez les indications des panneaux, tout devrait bien se passer. Pour tout renseignement, adressez-vous à l'organiste. Il doit répéter sa musique dans l'aile à gauche de l'église. Crypte métro. Bon, écoutez, on va se concentrer sur l'église déjà, hein. Alors. Oula. Ouh là 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 là, ça a l'air bizarre. Renseignement. L'église est définitivement fermée. Ouais. Pour cause d'apocalypse, entrée principale, c'est fermé. Horaire d'ouverture 9h-19h. Comment j'ouvre cette putain de porte? Je ne peux pas. Métro sortie. Métro sortie. Bon écoutez, on va aller voir. Hein. Métro sortie. Ça, je crois qu'on avait compris. It's close again. Ah, mon Dieu. Bon. Alors je me demande comment je fais dans ces cas-là, moi. J'ai pas de clé, j'ai rien. Interdit au public. Bon, ça au moins c'est clair. Vous pensez que...
Je suis... Oh, waouh, le lever de soleil. Joli. Très joli, regardez ça. Hop. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Ok, j'arrête, on y va. Merde, c'est pas dans ce sens, Benoît. Hop. Ah, mais vu que le soleil se lève, peut-être que ça va ouvrir. Je sais pas. On va avoir le temps d'aller explorer... D'aller explorer la gauche. Alors... Donc métro entrée du coup. Guichet fermé, évidemment. Merci de n'introduire que des tickets valides. Toute fraude conduira au blocage du système. Déposez votre ticket ici. Est-ce que si je mets mon journal... J'ai pas l'impression, hein. Bon, il me faut un ticket. Prochaine étape, génial. Crypte machine infernale. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oh! Je commence à voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur déjà. Mais. Je sais pas pourquoi, mais je sens la porte qui va me bloquer, quoi. Église. Crypte protégée par Saint-Michel en personne. Posez ici uniquement la clé de la crypte. Posée? Alors, ouais, bon. Machine infernale. D'accord, c'est cool. Merci les mecs. Dans le genre utile, on n'a pas fait mieux. Bon. Oh non. Oh non. Oh putain. Bon, on refait le tour, il n'y a pas de souci, écoutez. Je vais lire mon journal en attendant. Nanana. Nanana. Peut-être qu'un jour je ferai la couverture du Parisien, qui sait? Bref. Non, en tout cas, j'aime beaucoup l'architecture de ce qu'on a pu voir. Déjà, ça promet, hein, ça c'est clair. Après, si je bloque aux premières portes, ça va pas aller. Watcha. Alors, maintenant, pour tout renseignement. Putain, j'aimerais juste ouvrir cette fucking porte à la con. Horaire d'ouverture. Attendez, j'ai juste peur d'un truc. Je ne peux pas écrire, on est d'accord, j'ai pas accès à la console. Eh ben c'est cool. Je suis déjà coincé. Ah. Église presbytère. Allons voir. Peut-être que enfin j'aurai les réponses à mes questions. Ou pas. Bon. Ah, enfin je vais pouvoir ouvrir une porte. Chorale, dôme, toit. Ah, merci les mecs, vraiment sympa la feinte là. Putain, il me faut une clé là. Les jardins. Presbytère, appartement et restaurant ecclésiastique. Clocher. Ah. Peut-être que... Oui, d'accord, c'est génial. Merci. Je m'en vais, j'ai compris, on veut pas de moi dans cette église. Bon. Ah, voilà, il y a des choses intéressantes par ici. Restaurant. Réception, bienvenue, welcome. Back in 5 minutes or never. Petite annonce urgente, recherche organiste pour animer mariage et baptême, appartement. Allons checker les appartements, le... Je m'en vais d'en chercher l'appartement. Surtout, évitez la chambre 237. Alors, chambre 237. Bon, évidemment, toutes celles-ci sont
fermée. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a une que je vais pouvoir ouvrir. Oh, j'entends des cochons. 238, 243, 240. Il n'y a pas de chambre. 237. Ah si, il y en a une. Oh. Non mais je me suis fait avoir, mais comme un bleu quoi. Comme un bleu. Ok, d'accord, c'est cool. Le mec arrive à se taper des screamers sur Minecraft, c'est vous dire. J'entends un cochon. Attendez, peut-être que toutes les autres portes, je pouvais aussi les ouvrir en fait. Poser uniquement la clé d'organiste. Eh bien, je n'ai pas de clé de toute façon. Poser uniquement la clé du nanana, ça c'est fermé, d'accord, ok. Bon, c'est bien, au moins on fait le tour des lieux et j'imagine que vous allez m'aider dans les commentaires après. Parce que franchement, c'est la merde. C'est la merde. Alors, attendez, ça on est d'accord, je peux pas ouvrir, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça. Non, ça marche plus. Ça. Oh waouh, ah si, ça a marché en fait. Ça. Non mais je vérifie, on sait jamais. Bon, ok, c'était cool les appartements. Merci, j'ai bien fait de venir. Des appartements au sous-sol, hein. Étonnant quand même, hein. En général, c'est pas vraiment ça. Sauf dans les églises. Restaurant. Bonjour. Avez-vous réservé? Non. Mais bon, vu que tout le monde est mort. Ah. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Fabrication. Ah! Il n'y a pas de couteau ni de fourchette dans Minecraft. Débrouillez-vous avec une scie et un marteau. Ah! Bon, je ne peux absolument rien faire avec ça de toute façon. Oh, c'est quoi ça? Attends, c'est la première fois que je vois un truc comme ça sur Minecraft. C'est vous dire à quel point j'y joue. Servez-vous. Oh, waouh! Allons-y, hein, je. Oh, pomme dorée. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très très bien même. Au cas où. Cuisine interdite au public, évidemment. D'accord. Bon. On va flencher. Alors, c'était vraiment sympa. Le truc, c'est que je n'ai toujours aucun accès à. Bah finalement ce qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire l'église du Sacré-Cœur. Oh waouh, attendez, c'est quoi ça? Je crois que je suis pas censé aller par là. Après je dis ça, je dis rien. Il y a une vache. On va la laisser tranquille, la vache. Au milieu de la route. Non mais je me suis paumé quoi, c'est pas possible. Attendez, il y a un truc d'écrit là. Arrêt rue du. Non, bon, il faut que je cherche les panneaux, c'est juste ça. Je marche sur le trottoir en bon citoyen. Et peut-être que cette porte à gauche sera ouverte. Entrée aile gauche. Oh mon dieu. Oh putain, j'y ai cru quoi. Oh. Entrée des artistes. Aha! On y arrive. Yes. Oh waouh. Oh putain, c'est grand. Oh. Alors. Adios les cathos, j'ai été engagé sur la tournée Apocalypse Tour de Deep Purple, débrouillez-vous avec l'orgue, signé J.O. l'organiste. Ok, cool. Martin Solveig. Bon, d'accord. Alors, jouer rencontre du troisième mob en do majeur et allumer toutes les touches et allumer toutes les torches pour ouvrir les vestiaires de l'organiste. Alors. Jouer rencontre du troisième mob en do majeur.
Oui, en Do majeur. Et allumez toutes les torches. Chaque bonne note allume une torche. Mon Dieu, je comprends rien. Oh, merde! J'ai rien fait, c'est pas moi. Vestiaire de l'organiste, terrasse. La terrasse qui ne sert pas à grand chose à première vue. Quoique, rien ici, effectivement. Quoique, peut-être qu'il essaie de me mettre une feinte. Non. Ah. Mystère, mystère et boule de gomme. Alors écoutez, je vais voir si je trouve une solution. Org optimisé par Okosop. D'accord, et eh bien écoute, Okosop. Ah! Oh putain. Une mauvaise note éteint toutes les temps. Ah, mais oui, d'accord. Alors. Tintintintintin. Non. Non. Non, alors ça d'abord. Tintin. Non, alors. Alors oui. Tintintin. Non, putain, j'y suis presque. Attendez. Fuck yeah! Oh. Moi, je sens que cette aventure, mes amis, elle va nous emmener loin, elle va nous emmener très très loin. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Pensez à laisser un j'aime, à ajouter la vidéo à vos favoris. Parlez de cette mini-série à vos amis. Je remercie d'avance le créateur de cette map qui a l'air vraiment de promettre. Et j'espère qu'on s'amusera bien sur cette série. Prenez soin de vous, à la prochaine. Bye bye tout le monde! Bye bye, bye bye, bye bye.